Regardez, on y est à Waldorf. On va aller au Primark. On veut Zip, on veut Samovar, et dépêchez-vous. Ouais, moi aussi, mon petit nez tout rouge. Ah ouais, il y a des petits. Mais moi, je veux aussi chamallow. Celui-là, c'est quoi? Ça a l'air d'être... Burger cacahuète, peut-être. Ah, c'est peut-être quoi, ça. Et ça, c'est girafe. J'espère que le ventre, il n'a pas trop. Surtout qu'on va à Disneyland. Oh, si on a un problème de ventre. Ah, c'est du fil, le fromage. C'est du vrai fromage. C'est du vrai fromage. Regarde les fils qu'il fait. Ça se reconnaît comme ça, le bon gruyère. Ah ouais, c'est du beau, une belle texture, c'est magnifique. Voilà, je sais pas comment les... Oh, ah bah, elle en a mis qu'un. Ah oui, ah non, je... Pas une photo comme ça. C'est beau, hein. Avec le pleur, ça fait coûter. Il en veut, hein. C'est le donut s'il pleure, c'est la moindre. Regardez ça. Ah, puis là, normalement, on pouvait manger à des endroits. Kickers, nanana. Il y a le Primark, il y a le Primark. H&M. Regardez là-bas, il y a Primark. Acheter. Ah, ça fait non, ça fait pas Mickey. C'est pas les Mickey en fait. C'est pas Mickey. C'est un peu imitation. Mais c'est des Limited Edition en tout cas. Alors regardez tout ce qu'il y a. Alors regardez ce t-shirt, on l'adore en plus. C'est génial. C'est génial. Et voilà. On a des chaussons, mais je pense pas que ce soit ma taille. On l'a inventé Christmas is a chic mug. Ah d'accord. C'est sympa. Mais c'est ce qu'on dit, hein, nous. Ce qu'on veut pour Noël, c'est un zip en tasse. Putain, mais Zip, il est vraiment, c'est le héros de Primark en fait. Ouais. Et là, on a même les chaussons. Non, c'est la pelle de la bête. Ah, ça s'accroche. Oh là là. C'est quoi ça? C'est une coque? Ah non, c'est des limes. Oh. C'est quoi, Marie? C'est un pyjama. C'est pas un sac? Il y a des chaussons, Marie. Princesse. C'est pas une... Non, c'est une princesse. T'as vu? Ah, celle-là, elle est belle aussi. Mmh. C'est combien? 2,50. Attends, tout ça 2,50? T'en as 8, 16. 16? Ça, moi j'achète 10 euros. J'étais sûr qu'il allait tomber. C'est un 6 euros. Tout ça. Alors, on se retrouve avec mes achats. Qu'est-ce que j'ai acheté à Primark? J'ai acheté pas mal de choses, vous allez voir. Alors, pour commencer, des petites cartes de vœux de Noël. Il y en a 16 pour 2,50€. On a ici petit biscuit, ici un petit bonhomme avec un chapeau de Noël. Et nous avons ici un petit pingouin et un flamant rose avec des guirlandes. Voilà, donc je les trouve vraiment magnifiques, ces cartes. On a même les enveloppes, elles sont grises. Voilà, donc très très beau pour le prix. Il y avait plein d'autres objets, hein, de Noël. Allez, je continue avec toujours le thème de Noël. Deux T-Towels, donc deux torchons de Noël. Alors, je vais les ouvrir pour vous montrer. C'est le thème encore petit biscuit. Je suis super fan en plus de ça. Et c'était 4 euros les deux, donc 2 euros. Vous imaginez le prix. Ce n'est pas cher du tout, franchement, pour... Bah, la beauté du produit, je vais vous montrer ça. Alors, je vous montre celui-là avec écrit une phrase en anglais, Have a warm and cozy Christmas. Nous avons ici petit biscuit dans une... plusieurs tasses. Ça fait un peu vraiment l'esprit de Noël que j'adore. Happy Holiday. Et c'est magnifique. Voilà. Donc, on a celui-là. Je vais le mettre ici. Et on en a un rouge, beaucoup plus simple. Il est tout rouge, mais bon. Hein. Regardez le bord.
Avec deux biscuits ici, et ici des petites rayures, ça fait vraiment penser à Noël. Alors pour 5 euros, donc un peu plus cher, après c'est un peu normal, hein, c'est Disney, avec le thème Mickey, la silhouette de la tête de Mickey. Donc ça fait 2,50€ le torchon. Tout simple, hein, c'est juste des motifs de tête, mais franchement, c'est magnifique. Voilà. Ensuite l'autre, qui reprend encore la tête de Mickey, en plus grand. Ici on a des petits pompons. Voilà. Allez, on continue avec l'univers Disney. J'ai cherché Zip. Et devinez quoi ? Je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai demandé au caissier, au vendeur, et ils m'ont dit qu'il fallait appeler avant de venir, car ça part très très vite. Donc est-ce que je l'aurai un jour ? On verra. Mais à la place, ce que j'ai pris pour me consoler, j'ai pris deux porte-monnaies, la Belle et la Bête. Alors, au prix de 6 euros. Hop. Donc très très belle. Et ici, Big Ben. Donc des petits porte-monnaies que je vais pas m'en servir. Hein. C'est pour ma collection La Belle et la Bête. Je commence à vraiment en avoir beaucoup là. Alors ensuite, j'ai trouvé un squishy d'une carapace dans Super Mario. Donc ça, je pense que je ferai une vidéo spéciale avec tous les squishies, mes nouveaux squishies. Donc vous êtes assez nombreux à m'en demander des vidéos. Donc j'en ferai une bientôt avec tous les nouveaux que j'aurai eu. Donc je vais pas l'ouvrir, je vais pas vous montrer aujourd'hui. C'est au prix de 4 euros. Une petite pochette ou un porte-monnaie géant. Alors au prix de 4 euros, c'est un renne endormi. Et ça fait vraiment penser à l'esprit de Noël. Alors je sais pas ce que je vais mettre dedans, hein. Franchement, je sais pas. Mais regardez, c'est trop cute. J'adore ce design en fait. Alors encore dans l'univers des rennes, j'ai pris un cadenas. Et en fait, ça sera pour ma valise pour le Japon à 3 euros seulement. Il est magnifique. Et au moins, bah, je pourrais reconnaître ma valise avec ça. C'est vraiment tape à l'œil. Pour bien dormir aussi dans l'avion lors du voyage, un eye mask. Donc, un masque pour les yeux à 2,50€ d'un pingouin. Alors en ce moment, les pingouins, il y a plein d'objets. Voilà, il est très très beau. Et le mien était assez usé. C'est un koala. Donc voilà, pour l'hiver, celui-là. Et puis, il est tout doux. Il est très très beau. Ensuite, on va passer à l'univers de Pushin. J'ai pris une pochette toute douce au prix de 6 euros quand même. C'est un peu plus cher, mais bon, cette marque est très très chère. Mais je la trouvais trop belle, cette petite pochette. Donc, je sais pas ce que je mettrai aussi dedans. On verra. Alors, j'ai pris un multicouleur stylo donc de Pushin à 2,50€. Regardez, je le trouvais magnifique. Je sais pas si je vais m'en servir, mais il y a beaucoup de couleurs. Alors je ne saurais dire il y en a combien, il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué, bon il doit y en avoir au moins 10. Ouais. Donc très très beau stylo. Et on termine pour 2,50€ un kit Pushin papeterie. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors une toute petite règle très très belle. Un crayon avec une gomme. J'adore les couleurs. Alors là, une gomme étoile filante, très très belle. Et on termine par un stylo. Ah non, on termine pas, il y a encore un autre truc. Alors là, un stylo avec un capuchon. Très très beau. Et on termine par un taille crayon. Énorme coup de cœur pour le taille crayon. Regardez. J'adore le petit dessin avec les trois. Voilà, donc vous allez mettre en commentaire ce que vous en pensez de mes achats. Ah, regardez, c'est sur la pochette. On peut s'en resservir. Ah, par exemple, si vous voyagez, mettez des brosses à dents. Ça peut être sympa. Donc, mettez en commentaire votre produit préféré. Alors, moi, je vais vous... Oupsie. Alors, moi, je vais vous dire mon produit préféré. Ça va être très difficile à choisir. Ah, je vais avoir du mal encore à choisir. Je sais pas. J'aime bien cette pochette, on va dire. Ouais. Et peut-être celle-ci aussi, c'est les pochettes, moi. Voilà, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, Twitter, Instagram pour voir les photos en détail. Moi, je vous retrouve prochainement pour plein de nouvelles vidéos Primark. Salut, merci d'avoir regardé.